On est avec Eloge et puis Oumar pour le dernier match, pour le dernier match de l'année du Racing Besançon ici face à Agno. Victoire 1-0. Bon messieurs, c'est à vous. En direct de Agno, d'accord. Oumar, tu penses quoi de ce match aujourd'hui que l'équipe a livré? Bah, je pense que l'équipe a fourni un très bon match, un très bon contenu. On est venu face à une équipe de Agno qui n'était pas du tout facile à manier, mais on a su être patient, à ouvrir le score assez rapidement et à tenir pendant toute la rencontre. On a vu qu'à la fin ça a été un peu difficile et tout ça. Malgré qu'on s'est retrouvé en supériorité numérique sur le terrain, ils ont pris un rouge. Qu'est-ce que tu penses de la gestion de la fin du match? Bah, quand on voit la fin de match, je pense qu'on peut mieux la gérer. Après, on sait, voilà, fin de match, Agno, ils sont sur des longs ballons, on est beaucoup sur, on va dire, des duels. Mais le plus important, c'est qu'on a su être solide. On n'a pas pris de but ce soir, donc c'est un travail de toute l'équipe. Et on a démontré qu'on voulait repartir avec les 3 points ce soir. Et on a vu aussi que tu as fait des arrêts très très importants à la fin du match. Tu peux nous décrire un peu la dernière? Non, c'est sûr que sur un match comme ça, on va être sollicité, surtout sur on va dire sur des longs ballons, sur du domaine aérien. Bah, j'ai su m'imposer sur 2-3 ballons, on va dire, assez chauds. Mais bon, comme je dis, c'est un travail collectif. La défense a su aussi retenir les adversaires pour que je puisse sortir avec facilité. Donc c'est 3 bons points pris ce soir collectivement avec le staff, la présidence, le club Besançon. Ici c'est Bezac.